Jésus, mon roi, tu t'es pas trompé, c'est ici ma maison. Hey! Jésus, mon roi, tu t'es pas trompé, c'est ici ma maison. C'est ici ma maison. On m'a dit que tu es là au quartier et que tu as guéri le boiteux. J'ai entendu ça, je suis sorti. Je suis venu te rappeler que moi je suis là aussi. Je suis fatigué de la vie. Je suis fatigué de la vie. Oh, oh, oh. Je suis face à la mort, papa. C'est ici ma maison. S'il te plaît, ne va pas. Tu n'as pas encore fini. Non, 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 non. Tu t'es pas trompé. C'est ici ma maison. Lorsque Jésus avait fini sa mission, il sortait de la ville. Et voici un homme qu'on appelle Bartimée qui était assis au bord de la route. Bartimée a vu que Jésus passait. Il a crié: Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que les gens le retenaient. Les appressements, les bâtons le retenaient. Mais Bartimée ne s'est pas tu. Bartimée n'est pas resté silencieux. Quand on l'arrêtait, Bartimée continuait de crier: Fils de David. Et voici le fils de David qui se retourne pour demander à Bartimée: Bartimée, qu'est-ce qu'il y a? Quel est ton problème? Raté, brakatala. Pendant que tu nous entends, pendant que tu entends notre voix, pendant que tu entends le son du piano, oh, avec les doigts magiques de Josias Adjumani, le Saint-Esprit te fait du bien. Et le Saint-Esprit te pose la question: écoute mon enfant, ma fille, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Quel est ton problème? Vas-y, crie: Fils de David, aie pitié de moi. Et je crois que le Seigneur, comme il a guéri Bartimée, va te guérir. Mon roi, tu t'es pas trompé. C'est ici ma maison. Regarde ta maladie, puis faut lui dire. Hey, Jésus, mon roi, tu t'es pas trompé. C'est ici ma maison. Oh Seigneur, c'est ici que je vis. Viens me toucher. Viens me toucher. Oh. Viens me toucher. Car si tu me touches, si tu me touches, ma vie va changer. Va changer. Viens me toucher. Mon histoire va changer. Dis une dernière fois. Viens me toucher. Viens me toucher. Si tu me touches, mon histoire va changer. Mon histoire va changer. Ça va changer. Si tu me touches, mon histoire va changer. Ça va changer, comme l'histoire de Jacob va changer. Oh, si tu me touches, mon histoire va changer. Yeah. Yeah. Que Dieu vous bénisse.
crois que ce temps vous a énormément béni. Alors reste serein de là où tu es. Si tu traverses des situations compliquées, crois seulement en Jésus-Christ. Il est avec toi. Shalom sur vous.